aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur la box de Ben HPTS. Oui, vous connaissez le youtubeur de Harry Potter? Non, sur le sujet Harry Potter, c'est peut-être mieux comme ça. Oui, vous savez très bien qu'il a sorti une box sur demande. Voilà, je vous présente le design. Je n'ai pas pu commander la numéro 3, mais c'est pas grave, je donne quand même mon avis. La box de ce design est toujours le même pour la 3. Le prix est toujours à 29,90€. Le frais de port a remonté de 1€. Il est arrivé à 5,90€, si je ne me trompe pas dans les prix des petites centimes, mais c'est pas grave. Ça arrive à 6€ presque, les frais de port. Bon, bah, c'est normal, les frais de port, c'est plus cher. La vie actuelle est plus chère, on ne va pas se mentir. Mais c'est normal qu'ils fassent pour les frais de port si la box est plus protégée qu'avant. Dans cette box-là, vous retrouvez toujours 5 articles d'une valeur de 50€ avec des produits officiels et des non officiels que Ben a créé lui-même. Comme d'habitude, je vous dis ça plus précisément après. Je vous montrerai en photo tous ces produits à la fin de la vidéo. Voilà. Quand vous ouvrez la box, dans toutes les boxes, vous retrouvez toujours un petit papier avec une petite lettre, tout ça qui explique. Quand vous retrouverez en principal un petit sachet noir comme ceci, voilà, avec son petit logo, que c'est ses produits à lui qui a fait. Voilà. Dans ce petite carte, non pardon, dans cette box, vous retrouvez ici sa carte dédicacée. Cette fois-ci, il n'a mis que sa signature, il ne met plus les noms des personnes. Je trouvais ça sympathique parce que ça faisait un petit clin d'œil à chaque fan. Voilà. Je trouve ça dommage qu'il ait arrêté, mais il explique, ça prend beaucoup de temps. Certes, mais ça faisait un petit truc pour chaque personne, tout ça. Moi, j'adorais, mais c'est dommage de plus avoir ce petit clin d'œil. Voilà. Cette carte-là, on retrouve lui qui pousse le caddie des valises pour traverser le mur pour arriver au train. Je la trouve jolie. Honnêtement, elle est pas mal comme carte. C'est dommage que je l'ai pas, mais franchement, elle est sympa. Aussi, dans le petit sachet noir, vous retrouvez 3 articles, comme d'habitude. Vous avez une carte qui du studio Harry Potter, pardon, de la salle de pension. Franchement, je la trouve très jolie. Vous retrouvez plus un marque-page, clin d'œil aussi, pour la rentrée avec le caddie des valises qui veut traverser le mur. Et aussi, vous avez un troisième article, c'est un autocollant en forme de lunettes de Harry Potter. Honnêtement, je le trouve moche. Je le trouve pas très très joli, voilà. C'est mon avis personnel. Peut-être d'autres personnes le trouvent magnifique, mais moi, je le trouve moche. Avec les 3 articles, là, je préfère faire comme d'habitude un petit classement. Numéro 1, je mets la carte, c'est super joli. Le marque-page, j'adore. Numéro 3, je mets le porte-clés, je le trouve horrible. Je le trouve... Non, c'est pas mes goûts, voilà. C'est sur les 3. Bon, sinon, c'est pas grave. En premier article... qui aussi Ben a fait lui-même. 4 comment on dit? Ah, pour mettre au-dessous des verres. Des... Ah, comment on dit ça? Des dessous de verre, pardon. Qui, avec le design de la carte qu'il a fait dans la première box, c'était Poudlard. Tout ça, je les trouve pas beaux. Honnêtement, je n'aime pas ce design-là déjà de la carte dans le numéro 1. Dans sa numéro box numéro 1. Et là, il a pris les mêmes designs. Je pense que c'était un clin d'œil pour la rentrée de Poudlard. Mais je ne le trouve pas très joli. Je trouve l'article utile, honnêtement. Mais je ne trouve pas ça très joli. En plus, vous retrouvez après un petit kit de stylo, crayon papier, gomme, règles, tout ça, de Harry Potter, produit officiel, pardon, sur le thème des Quidditch. C'est pas Saint-Pantin, mais c'est Gryffondor. Je ne vois pas le sujet. Bon, certes, ça fait pour la rentrée. Moi, j'aime pas trop ces articles-là. Puis c'est Gryffondor, je n'aime pas du tout. Ça aurait été Serpentard, franchement, j'aurais bien aimé parce que ça faisait un petit clin d'œil à sa maison. Que là, il a pris du Gryffondor. Bah, je vois pas trop le sujet avec lui. Mais c'est pas grave. Mais c'est sympa pour la rentrée, pour les enfants. C'est un petit clin d'œil sympathique. Les articles sont utiles, faut pas se mentir, pour la rentrée. Mais c'est des articles que je garderai. Mais j'y toucherai pas parce que j'irai pas les examiner. Mais en plus, c'est un thème où j'offrais ça à quelqu'un d'autre parce que c'est un thème que j'aime pas, c'est Gryffondor. Voilà. Mais ça peut aimer d'autres personnes. Comme d'habitude, Ben est fan de carnet. Il nous a remis un petit carnet
bordeaux avec le emblème de Poudlard et en plus un petit stylo baguette. Je le trouve sympathique, franchement un petit carnet c'est toujours utile, on va pas se mentir. Le troisième article, il a mis un drapeau ou une bannière, pardon, sur toujours le thème de le emblème de Poudlard, voilà. Je suis fan, mais c'est dommage qu'il n'a pas mis un autre design parce que il a mis déjà deux articles avec le même logo de Poudlard et là il me voilà, c'est le deuxième article qu'il me met sur le logo de Poudlard et je trouve ça dommage. J'aurais mieux préféré avoir un Serpentard ou c'est dommage qu'on commandait la box, c'est compliqué à faire je pense de demander notre maison et il aurait pu faire mais je pense que à chaque box personnalisée par maison, mais je pense que c'est compliqué à faire, je pense. Mais c'est pas mal, franchement, qu'on commence sa collection. Ça a une petite déco sympathique. Franchement, je l'aurais gardé. Bon, elle est grande, elle est une taille standard. Je la trouve pas mal. Couleur bordeaux, toujours. Mais elle est sympa. Mais voilà. C'est toujours avec Poudlard, mais je pense que c'est fait exprès parce que c'est la rentrée, tout ça, et ça je pense. En plus, un autre produit officiel, il a mis une genre de gourde en forme de pension. Voilà, c'est sympa, c'est un petit clin d'œil aussi pour la rentrée. Une gourde, c'est toujours utile pour faire du sport, pour autre, tout ça. Et je la trouve sympathique, c'est le petit chocoudron, tout ça. C'est un article que j'adore, j'aurais bien aimé avoir la box pour principalement cet article-là. Je le trouve magnifique, j'adore les gourdes. Voilà, j'ai fait tout le tour de tous ces produits. Comme d'habitude, je vous fais un top 10. Le numéro... un top 10, plus un top 5, pardon. Numéro 1, je mets la gourde. Je le trouve magnifique, cet article. Numéro 2, bah, le carnet, c'est toujours utile. Numéro 3, je mets la bannière. Je suis fan des bannières, j'en ai une ou deux dans ma chambre, dans mon bureau, pardon. Mais... il aurait dû me prendre un autre truc. Bannière, mais différente. En numéro 4, je mets la petite trousse d'école avec plein de trucs Gryffondor. C'est bien, mais c'est Gryffondor et je suis pas une Gryffondor. Et en numéro dernier, je mets les 12 œufs de verre parce que je les trouve pas à mon goût. Voilà, c'est mieux comme ça que dire « Ah, j'aime pas !» Non, c'est utile, mais j'aime pas le dessin qui est dessus. Voilà. J'aurais dû mettre un autre truc, je sais pas, ou j'aurais mis les 4 maisons. Ça aurait été sympa, j'aurais fait un petit truc comme ça. Mais c'est utile comme tout, comme objet, pas se mentir. C'est ses premières box, on va pas trop juger, voilà. Et voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu avec toute mon opinion. Mais je suis vivement contente de recevoir la numéro 4. Celle-ci, je l'ai commandée. Et voilà, je suis trop contente et j'espère de l'avoir bientôt. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye, bisous.